Bonjour à tous, amis lyonnais, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va très très bien ce matin. J'ai vu un beau match de foot, surtout de la part du Paris Saint-Germain. Une équipe beaucoup plus cohérente, avec beaucoup moins de stars, de paillettes, de noms ronflants, type Messi ou Neymar ou Verratti. Puis avec des joueurs qui ont envie de se battre, des joueurs qui font du pressing, et une cohérence d'équipe. Donc c'est bien, Paris a enfin compris qu'après le star system, il fallait prendre des joueurs de qualité. Cher, hein, certes, on n'a pas du tout les moyens de se les payer. Mais c'est une équipe qui paraît cohérente sur le papier. Bon, après on verra ce que ça donne en Ligue des Champions et en championnat. Voilà, donc moi j'ai vu une belle équipe. Enfin, c'est une équipe qui n'a pas démérité l'Olympique Lyonnais, parce que voilà, on n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas le même entraîneur, et on n'a pas la même surface financière, donc... C'est pas sur le match d'hier qu'on allait faire une révolution. Comme disait Antoine de Madagascar, en sciences politiques, on appelle ça un Bad Godesberg. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. C'est la révolution du Parti Socialiste Allemand en 1983, qui en fait a décidé de laisser tomber le marxisme et a fait sa révolution. Et depuis, on appelle ça faire une révolution à Bad Godesberg. Ça vaut surtout pour les partis politiques, c'est juste pour la petite référence historique. Hein. Que je m'amuse à placer comme ça, et c'est plus qu'une révolution, on appelle ça une révolution des mœurs ou une révolution de la vision. Et je comprends tout à fait ce que disait Antoine de Madagascar hier dans le post-match, et je comprends également tout à fait ce que défendait l'autre camp, à savoir Thomas et Constant, c'est-à-dire le dégoût, le dépit, l'énervement, même la rancœur contre le club. Mais nous, où en est-on de cette fameuse révolution? Voilà, on n'a pas les mêmes outils que beaucoup de clubs de Ligue 1, excusez-moi, désormais. On ne joue pas dans la même cour que beaucoup de clubs de Ligue 1, désormais. Donc, en fait, on est partagé aujourd'hui, les supporters, si je résume la situation lyonnaise, et le plateau d'hier soir était très très révélateur. Voilà, entre d'un côté des gens qui se disent « voilà, on a enfin du changement depuis 36 ans avec une nouvelle direction, laissons-les travailler. » De toute façon, le bateau Olas allait dans le mur, donc laissons quelques temps à M. Gucci et aux gens d'Eagle le temps de travailler. Étienne Ismail défendait également cette position avec Paul. Laissons-les bosser, soyons optimistes. Pourquoi pas, hein, ils ont des éléments. Hein. Et en face, je suis plutôt de cet avis-là, il y a des gens comme Thomas et Constant disant « Ben non, en fait, la politique de John Textor, c'est la droite continuité du naufrage Olas. La différence près, c'est que le bateau, avant, ne voyait pas les récifs, et là, on va dedans. » Voilà, donc, tout se défend dans les opinions. Tout se défend. Où en est-on de notre Bad Godesberg à nous? Où en est-on de notre révolution? Ben, j'ai tendance à dire qu'en fait, il n'y aura pas de révolution. Parce que vous savez, la révolution a commencé dans un bas de sang et s'est terminée par une dictature. Alors on va me dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes sur l'histoire de France? La révolution française, je le dis bien, a commencé dans un bas de sang. Elle était légitime, mauvaise récolte, argent dépensé aux États-Unis, émergence d'une classe bourgeoise par les journaux, des négociants, émergence du monde des lettres, qui a permis de mettre en place des libelles, des critiques contre le pouvoir aristocratique très marqué, caisse de l'argent, caisse de l'État vide, donc État généraux, en mai 1789, ensuite la prise de la Bastille, et patati et patata, le serment du jeu de paume, et tout parabolo, et ça dure 10 ans. Et à la fin, ça se termine, faut quand même pas oublier qu'il y a eu des événements malheureux pendant la Révolution, même s'il y a eu des grandes idées qui ont émergé dans le Code civil, la Déclaration des droits de l'homme, des libertés fondamentales qui sont toujours dans notre Constitution. Mais également, au niveau factuel, il y a eu du sang. Parce qu'il n'y a pas de Révolution sans sang. S-A-N-G. Donc c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Antoine de Madagascar et Ismail et Étienne PKR et le dernier hier soir, c'était Paul. Voilà, je cherchais. En fait, une révolution, c'est pas que dans les écrits. Une révolution, malheureusement, ce sont des actes, des trahisons, à Robespierre, Danton, la terreur,
parce que ça, on l'appelait ça terreur, d'où le mot terrorisme, hein, ensuite, hein, voilà. Des épisodes sanglants, et à la fin, voilà, vous vous retrouvez qu'un consulat, puis un empereur, donc de nouveau une dictature. Alors, même s'il y a des avancées, attention, il faut distinguer les avancées des événements sanglants. Voilà, ce sont des événements compliqués. Et là, en fait, vous croyez qu'il y a une révolution à l'Olympique Lyonnais. Il n'y a pas de révolution à l'Olympique Lyonnais, c'est pas parce que Jean-Michel Aulas et John Textor se mangent le nez, excusez-moi, et se battent désormais, au sens quasiment propre et figuré, qu'il y a une révolution. Pourquoi ? Moi, ma thèse, elle est très simple. C'est la continuité. C'est la droite continuité l'ère Textor de ce qui arrive, et c'est l'objet de mon dernier édito. C'est pour ça que je vous ai cité l'interview de février 2021 de Jean-Michel Aulas, où, plein de morne, il nous dit « J'ai des repreneurs. On n'est pas loin de gagner la Coupe d'Europe, j'ai des repreneurs. » Alors, il y en a qui m'ont fait remarquer, et ils ont tout à fait raison, que quelques mois avant, on jouait la demi-finale de Ligue des Champions, mais une demi-finale de Ligue des Champions quand même tronquée, où on élimine la Juve un peu miraculeusement, où on élimine City un peu miraculeusement, c'est-à-dire en sur-régime, et où on se fait étrier par le Bayern Munich en demi-finale. Donc on n'était quand même pas du tout prêt de gagner la Ligue des Champions. Et si on l'avait gagné, ça aurait vraiment été le hold-up du siècle. On était déjà sur le déclin sportivement, nous avons fini 7e cette saison-là, même si on n'a pas terminé le championnat, on a été à la 27e journée et on avait fini 7e, on ne l'oublie pas. Et Jean-Michel Aulas, en février 2021, dit « Moi, j'ai eu des repreneurs, j'ai plein de repreneurs ». Il croyait, et à cette époque, moi, je le croyais aussi. Personnellement, j'étais un peu naïf. Et en fait, comme je pense que désormais, il y a un postulat qui est en train de se créer, pourquoi Jean-Michel Aulas n'a-t-il pas vendu plus tôt ? Parce que s'il avait vendu plus tôt, c'est ma thèse, s'il avait vendu plus tôt, quelques saisons auparavant, on aurait certainement eu des repreneurs du golf, qui sont les plus puissants aujourd'hui et ceux qui offrent les plus grandes possibilités en termes d'achat de joueurs. Regardez ce qui se passe dans les clubs d'Arabie Saoudite, regardez Newcastle, regardez Manchester City, regardez le PSG. Il suffit de se convaincre d'où viennent ces investisseurs. Ils viennent du golf, ils ne viennent pas d'ailleurs. Donc ma thèse, c'est si Jean-Michel Aulas avait voulu nous faire un cadeau, vraiment un vrai cadeau pour son départ, il se serait tourné vers ces investisseurs-là quelques années avant, plutôt que de subir le choix de l'investisseur, parce que c'est il l'a dit. Il dit des choses très contradictoires, Jean-Michel Aulas, mais bon, aujourd'hui, il essaye de se défendre un peu comme il peut, et je ferai certainement pari à sa place. Déjà, un, c'est pas lui qui a choisi son départ de l'Olympique Lyonnais, c'est ses associés qui l'ont forcé à partir, quasiment. En avril 2021, je me répète, en avril 2022, pardon, quand Seydou, Pathé, et donc IDG, enfin Pathé, Seydou, c'est la même personne, mais IDG, ils l'ont mis devant le fait accompli. Donc en fait, après, ben, il ne tient plus grand-chose, Jean-Michel Aulas, malheureusement. Et il a fait ce qu'il a pu. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé très peu de repreneurs, comme disait Thomas hier soir. Et donc, par défaut, tout le monde s'est tourné vers John Textor parce que c'était l'acteur, comme disait Jean-Michel Aulas dans Téléfoot, hein, je ne fais pas de publicité placée, il a dit, et dans l'équipe du soir, il a dit... À un moment donné, il y avait une société, alors je ne sais plus le nom, qui devait s'adosser à Eagle pour garantir le rachat de ce club. Sauf que entre juin 2022 et décembre 2022, cet investisseur est parti. Donc, il n'avait plus de fonds propres, John Textor. Il s'est retrouvé avec une myriade d'investisseurs autour de lui, dont le plus gros Arès, comme il dit, entre 300 et 400 millions d'euros, Jean-Michel Aulas. Et en fait, lui, il était persuadé en juin 2022, alors oui, c'est persuadé, mais je pense qu'il y croyait moyennement déjà à l'époque, que John Textor avait une grande surface financière et d'autofinancement. Et ensuite, aujourd'hui, il nous dit, moi, j'étais persuadé qu'en cédant à M. Textor et Eagle, on ferait grandir l'Olympique Lyonnais, parce que ce sont des gens qui ont plus d'argent que nous. Donc, en gros, l'OL allait faire des plus gros achats, des plus gros transferts et tout ça. Il sait très bien, dans le fond, que c'est pas vrai. Il sait très bien qu'il a raté son coup. Ah, c'est pas grave, hein. On a tous raté des ventes aussi, hein. Et quand on a la tête dans le guidon comme il l'a 24-24, avec autant de passion et d'énergie, je pense que, malgré lui, je pense qu'il sait au fond de lui-même qu'il aurait dû vendre quelques années auparavant, et qu'après on a vendu à quelqu'un qui n'avait pas la puissance de feu d'un investisseur émirati, saoudien, baranite, qatari, ce que vous voulez. Voilà. Donc, les faits sont un peu têtus. L'horloge a joué contre Jean-Michel Aulas et donc, finalement, contre nous. Alors après, vous allez me dire, oui, il y a eu le Covid. Ah oui, alors il n'y a pas eu de chance, il y a eu Mediapro. Voilà. Il y a eu le Covid. Donc, ces deux épiphénomènes sont des accélérateurs de mauvaises nouvelles pour nous, malheureusement. Ça a enrichi les riches et ça a appauvri les pauvres. Et nous, on était plutôt du camp des pauvres.
Et en fait, l'Olympique lyonnais aujourd'hui ne vaut que par ses infrastructures. Et c'est ce qui a intéressé ces investisseurs comme Arès, ce sont nos infrastructures. Donc aujourd'hui, on peut pérorer pendant des heures et des heures sur le sportif. On n'a pas des joueurs de qualité, et on a les joueurs de qualité en tout cas, avec les moyens et la bourse qu'on a. Donc on achète en Ligue 2. On a des joueurs comme O'Brien qui ne valent rien. On a des joueurs de Ligue 2, beaucoup, hein, le Penant, le joueur de Sochaux, le joueur anglais Maitland Niles. On a des joueurs gratuits, pas terribles. Alors là, de temps en temps, on a, grâce à l'argent de Bradley Barcola, on a pu acheter ce super Ghanéen en ailier Noama. Très très bon, hein, en l'occurrence. On a Jeffinho, c'est un peu un montage, c'est pas un très très bon joueur. Donc, on ne peut pas escompter grand-chose sportivement. On pourra faire 30 000 émissions. On ne pourra pas aller très très loin. Il y a des insuffisances techniques. On garde les joueurs qui ne sont pas vendables. C'est-à-dire ceux qui sont le plus vendables, bah, on les a déjà vendus. Les trois salopes, en l'occurrence. Je reviendrai là-dessus. Les trois salopes hier, vous avez bien compris que ce n'est pas moi qui tiens ces propos. C'est le, on appelle ça le capot. Hein. Voilà, le capi, le capot, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, voilà, du virage des bad guns qui dit les trois petites salopes qui sont parties. Bon, voilà, je reviendrai là-dessus après. Donc, finalement, moi, je dis tout ça a commencé avec un manque de timing et les associés qui ont dit à Jean-Michel Aulas, on arrête l'aventure, tous ensemble, on arrête l'aventure All-Nest, Pathé IDG. Voilà, tu es allé trop loin. On veut prendre nos billes. Parce que le stade vaut de l'argent désormais, même s'il reste 90 millions sur 450 millions à rembourser, on veut désormais récupérer nos sous. Et Jean-Michel Aulas s'est dit, bon, allez, moi aussi je récupère ma thune, ça va trop loin le projet, c'est trop compliqué. Et finalement, quand il fait une action contre John Textor, qui est complètement légitime juridiquement, voilà, il lui doit 14,5 millions au mois d'août, il ne les paye pas. Bon, il est allé un peu vite pour récupérer les sous, mais il est dans son droit, Jean-Michel Aulas, a priori. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, Jean-Michel Aulas, il a peur, comme vous et moi. Il sait que les caisses sont vides. D'ailleurs, il est passé sur les comptes de l'OL quand il les a fait geler. Il a dit, il y a 3 000 euros sur les comptes. 3 000 euros sur les comptes, avant le transfert de Bradley Barcola. A priori, c'est Jean-Michel Aulas qui le dit, c'est pas moi. Il a fait un communiqué de presse. Donc, à un moment donné, on sait que M. Textor n'a pas d'argent. Alors, on peut me dire, oui, on a ramené le recruteur en chef de Marseille, on a ramené telle personne, mais ça change rien. Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, tu ne recrutes pas un bon joueur de foot si tu ne vas pas le chercher à Benfica comme le PSG, au Real Madrid, au machin et truchemuche. C'est faux. On sait très bien que les jeunes joueurs, contrairement à la période où on brillait, il n'y a plus de clubs intermédiaires. Ils vont tout de suite dans les top clubs. Donc, il te faut un petit peu de sous pour aller chercher à minima des joueurs de la rotation du Real Madrid, type Marco Asensio. Voilà. Et autrement, tu cherches quoi? Bah, rien du tout. Rien du tout. Voilà, t'as beau être un super recruteur, avoir de la data de ce que tu veux, les bons coups deviennent vraiment comme des aiguilles dans une meule de foin. Honnêtement, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, sans argent, c'est quasi impossible de construire un projet pérenne. La data, c'est quasiment terminé, parce que les grands clubs eux-mêmes se sont dotés de data et n'hésitent pas à faire main basse sur 350 contrats comme Chelsea. Ou City font exactement pareil. Et désormais, ils rachètent d'autres clubs pour que les joueurs soient dans le giron City. Donc en fait, à la fin, il n'y a même plus vraiment de miracle. Il faut quand même du cash flow désormais ou de la formation comme l'a fait l'OL. Mais le problème, c'est que les joueurs, ils partent très vite. Voilà. Donc ça, c'était déjà mon premier volet d'édito. C'est mauvais timing de Jean-Michel Aulas. J'en arrive à la deuxième période. Quand j'entends hier les supporters des Bad Guns, alors je suis désolé, je retiens mal le nom, je ne suis pas spécialiste des Bad Guns, hein. Je ne suis pas Bad Guns, mais j'ai rien contre eux. Comme dit Constance, c'est un peu tard ce discours. Sous Aulas, on aurait aimé l'entendre. Bon, pourquoi? Comment il n'est pas venu? Ça, il n'y a que qui le savent et Jean-Michel Aulas. Moi, je ne sais pas. J'interprète pas, j'en sais rien. C'est très malheureux. Il intervient beaucoup trop tard. Et quand j'entends parler des trois petites salopes, bon, les termes ne sont pas très heureux, mais bon, voilà, il y a de la colère, on le sent. Si c'est pour parler de Bradley Barcola qui nous a ramené 42 millions d'euros, si c'est pour parler de Lukeba qui nous a ramené 26 millions d'euros, et si c'est pour parler de Malogusto qui nous a ramené entre 30 et 36 millions d'euros, bah au moins ces joueurs, ils ont ramené à eux trois plus de 80 millions d'euros. Par contre, les joueurs qui sont partis en insultant le club, Toko Ekambi pour 1 million d'euros, donc finalement, la position dans laquelle il s'est mis, on ne pouvait pas le vendre cher, même s'il nous restait un an de contrat. Quand c'est Oussem Aouar qui part gratuitement, ou quand c'est Moussa Dembélé qui part gratuitement, qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces supporters? Parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans la formation d'Oussem Aouar. On a mis quand même plus de 20 millions d'euros sur Moussa Dembélé. Et alors, on a mis 25 millions d'euros sur Jeffrey Nadelaïd. Et il rend quoi?
Parce que moins c'est jeune, ben au moins, comme dit Luis Enrique, il a dit quelque chose de très juste, au moins Bradley Barcola, il a ramené de l'argent à son club formateur. Au moins. Et c'est grâce à l'argent de Bradley Barcola qu'on a fait Nouama. Donc à un moment donné, je veux bien que ça soit des petites salopes, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec Thomas. Un joueur du centre de formation qui part aujourd'hui compte plus de 20 millions d'euros, il aura ramené de l'argent à son club, contrairement à beaucoup d'autres qui, pendant 4 ans, ont été les doigts de pied en éventail, type Oussem Aouar, excusez-moi, faut dire les vérités, hein, et qui n'auront ramené au final aucun argent à leur club formateur. Aucun argent à leur club formateur. Vraiment, la gratitude, elle est jusqu'au bout. Alors après, il s'est engueulé avec l'OL, tout ce qu'il veut et tout. J'adore le joueur techniquement, ça n'a rien à voir. L'humain, je le connais pas. Mais en tout cas, je constate qu'il y en a qui ont le droit au titre de salope et pas d'autres. Alors qu'au moins, ils ont ramené de l'argent dans un club qui en manque cruellement. Voilà, donc ça, c'était peut-être déjà la première chose à dire au Badgon, parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire la vérité, on n'a pas de cash. Au moins, Barcola, c'est 42 millions d'euros sur la table fin août. Voilà. Au moins. C'est pas le cas de tous les joueurs. Loin de là. Hein, d'accord ? Ensuite, deuxième chose, la guéguerre, Textor, hélas, Olas, machin, et tout ça. Bon, honnêtement, ça, c'est leur problème entre eux. En tout cas, Jean-Michel Olas, pourquoi il veut son argent ? Parce qu'il est embêté. Jusqu'en novembre 2024, il reste 2/3 d'échéanciers à percevoir. Sur ces 8% de parts, c'est ça, hein, ou 9% de parts, je ne me trompe pas. Et il dit, j'ai pas été inspiré. Donc, en gros, il sait, quand il dit ça, que c'est chaud pour lui parce qu'il n'a pas confiance dans le projet financier de John Textor et de l'argent qu'il y a derrière. Alors, Gucci, il pourra nous vendre ce qu'il veut. Ils pourront nous vendre ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas d'argent. Et c'est pour ça que je posais une question hier à Thomas. C'est quoi le projet de John Textor? C'est quoi son projet? Il n'a pas d'argent. Il a 14 investisseurs derrière lui. Il n'a pas de cache-feu. Il nous a promis, s'il n'y avait pas la DNCG, j'aurais fait des transferts à 40-50 millions. Non. Non, parce qu'il suffisait de déposer une provision sur un compte en banque. Donc, si tu avais ce cash, mon pépère, tu avais qu'à le mettre au bon endroit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La DNCG, c'est des mecs, c'est des financiers. Ils savent compter. Ils savent que M. Textor, il n'a pas d'argent. C'est pour ça qu'on a été sanctionnés. Et avant, Jean-Michel Aulas, il faisait quoi? Et c'est pour ça que je lui ai jeté une toute petite pique à Jean-Michel Aulas, malgré tout le travail qu'il a fait. Il avait promis en novembre 2022, pour passer la DNCG en juin, de vendre 20 millions d'euros Carl Toko Ekambi. Il avait promis de vendre Loukeba. Alors vous me direz le montant, hein, je crois 20 millions et quelques d'euros. Hein, voilà. Et de vendre enfin Malogusto également 20 et quelques millions, ou 30 millions l'un et 20 l'autre. Enfin voilà. Donc quand Jean-Michel Aulas ensuite, au mois de mars, dit Oh non, je suis dégoûté d'avoir perdu Malo. Mais Bobo, tu nous l'as vendu dans le projet à la DNCG que tu allais le vendre. Arrête de pleurer. C'est ça que j'appréciais pas chez Jean-Michel Aulas. C'est à un moment donné, tout sait, donc c'est un peu ridicule, quoi, ce truc, de dire je veux pas le vendre alors qu'il sait très bien, il a même provisionné sa vente dans les produits comptables de l'Olympique Lyonnais au mois de juin, à présenter à la DNCG. Non mais à un moment donné, il nous prend pour des idiots. Oui, la vérité, oui. Et après, quand il vous dit autre chose, moi, j'aurais pas vendu Barcola. Ben, bien sûr que si, t'aurais vendu Barcola, comme t'as vendu Paqueta quand il y a eu une super offre de West Ham, le dernier jour du Mercato, qui ensuite, on se retrouve sans meneur de jeu. Alors, on va me dire, oui, mais il y avait Ryan Cherki. Ryan Cherki était remplaçant de Paqueta, mais après, il était trop jeune. Voilà, pour moi. Donc après, évidemment, c'est pas la peine de nous raconter n'importe quoi. Ni Jean-Michel Aulas, à cause de son investissement de 450 millions d'euros, ou grâce... Il a gagné beaucoup d'argent, c'est un bâtisseur, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, il reste 90 millions d'euros à rembourser. Il l'a dit lui-même. On a un repreneur qui n'a pas de cash, donc on peut parler des joueurs, de Laurent Blanc, de tout ce que vous voulez, autant que vous voulez. Hier, les bad guns, ils peuvent hurler à la mort, mais hurler à la mort sur les joueurs. Les trois quarts viennent d'arriver. Les mecs... Il suffit qu'ils disent, écoute, moi j'en ai ras-le-bol parce que je voyais Ryan Cherki, je le sentais désabusé ou énervé vraiment de la situation. Il va aller voir son agent et dire, hey, franchement, t'as vu comme je me suis insulté par les mecs? Et moi j'ai envie de faire comme Bradley, je me casse. Hein. Parce qu'excusez-moi, à un moment donné, ils se trompent de cible, les bad guns. Les cibles, elles sont tout là-haut. C'est les mecs qui ont le portefeuille. Moi, demain, je débarque 200 millions d'euros, j'achète Marco Asensio. Au milieu de terrain, j'achète Ugarte. Dans les cages, j'achète Donnarumma. Je fais ce que je veux. Sauf que nous, on a un repreneur qui arrive qui ne peut pas acheter ses joueurs. Le PSG, quand ils sont arrivés. City, quand ils sont arrivés en 2008. Le PSG, quand ils sont arrivés en 2012. Ou Newcastle, quand ils sont arrivés sur le projet 2020. Tout de suite, ils ont fait péter le carnet de chèques pour acheter des gros joueurs. Et en prêt, des plus gros joueurs. Et nous, on a quoi? Un mec qui va acheter des joueurs en Ligue 2
Et hier, il y a des mecs sur le live qui nous expliquent. Ah, mais attends, mec. On t'explique l'optimisme. De toute façon, on est 18e de Ligue 1, on peut pas tomber plus bas, laisse-les reconstruire. Ah, bah oui, laisse-les reconstruire avec une équipe de Ligue 2 pour aller en Ligue 2. Acheter des joueurs de Ligue 2, c'est ça notre nouveau projet. Ou prendre des joueurs que plus personne vaut, type Moreira de Chelsea, l'ailier de Chelsea, type le joueur anglais Maitland que personne ne veut. Hein? Donc nous voilà, et puis Nouama, en fait, il fallait juste quand même rester à minima compétitif, c'est pour ça qu'on a remis le cash de Barcola via Molenbeek parce qu'on n'a pas une thune dans les comptes de l'OL. Et voilà, mais c'est les dirigeants qui font ça, c'est ni Laurent Blanc, ni le directeur du recrutement, ni les joueurs. On a les joueurs qu'on mérite, c'est-à-dire qu'eux ils font un contrôle, le ballon il part à 1 mètre, le PSG ils font un contrôle, ça part tout de suite. Voilà, donc on a un mauvais investisseur parce que, je le répète, le timing de vente était mauvais, de chez mauvais. Il aurait fallu préparer sa succession à Jean-Michel Aulas, ce qui est ce qu'il y a de plus difficile, hein, mais je me mets à sa place, c'est pas facile. Je le défends quand même. Hein. Il n'a pas eu le recul ou les conseils de son entourage, que tout le monde lui disait, Jean-Michel, tu es le meilleur, tu es comme Louis XIV, ça, il y a le lever du roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Versailles, il y avait le lever du roi. Donc, il y avait tout un cérémoniel, toute la matinée qui durait, et puis toute la journée, on vous disait que c'était génial, et le soir, ça se terminait avec Lully, dans les jardins de Le Nôtre, avec la musique de Lully, les feux d'artifice, sur le grand canal de Versailles. Et en fait, c'était débile, sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Son successeur sur le trône, Louis XVI, son artifice, il est arrivé, lui, guillotiné, parce qu'ils ont tellement bazardé de pognon entre Louis XIV et Louis XV, que derrière, le mec qui arrive, lui, il n'a plus un artiche, il y a la guerre d'Amérique, ils n'ont plus une thune, et boum, révolution. Ben voilà, c'est ça. On a pété plus que notre cul, et aujourd'hui, on n'a plus une thune. Donc aujourd'hui, évidemment qu'on va jouer le maintien. Évidemment. Ceux qui me disent qu'on ne joue pas le maintien, franchement, expliquez-moi encore, on ne joue pas le maintien. Aujourd'hui, on a un point en 4 matchs. On est sur une projection entre 8 et 9 points en fin de saison. C'est tout, je vous le dis, hein. 8 ou 9 points, vous êtes relégables, archi-relégables, vous êtes dernier. Donc maintenant, je ne veux pas jouer le pessimiste. Mais je ne vois pas en quoi John Textor va nous trouver 200, 300 millions de surface financière d'un coup, comme ça. Donc son projet, il sert à quoi? Ben moi, j'en sais rien. Moi, la seule thèse que j'ai, c'est qu'ils veulent faire de la spéculation immobilière, vendre des bouts, comme disait Thomas, et on a réfléchi tous les deux, vendre par puzzle le club où elle règne, où elle féminin, le groupe Ama Stadium, le court de tennis de Tsonga, l'Asvel Arena. Il va vendre par tranche, le mec, vendre des concerts. Je sais même pas ce qu'il veut faire. Moi, je pense surtout qu'ils ont eu des mauvais indicateurs. C'est ma thèse. Les Américains ont des mauvais indicateurs parce qu'ils sont persuadés, je l'ai lu dans des articles, je vous l'ai déjà dit, que le foot européen est sous-développé. Et ils se croient arriver sur un terrain où ils pensent qu'il y a une potentialité de croissance. Comme aux États-Unis, mais sauf que ça coûte très très cher et l'impact marketing d'un club de football en Europe n'est pas du tout le même, surtout à l'OL, qu'un club de NBA, de NFL, de NHL. Donc il n'y a pas des revenus aussi gigantesques à générer, surtout à Lyon. On n'est pas à Madrid, on n'est pas au Bayern et on n'est pas à United ici. Voilà, donc je pense qu'ils ont fait une erreur de calcul, ils se sont plantés dans leur projection. Ils ont acheté le club beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il valait, c'est mon opinion d'ailleurs. Même Textor l'a dit, pour moi il vaut 500 millions le club. Donc maintenant, bah, il vaut le stade qu'en gros à 50 millions d'euros près. Donc voilà où on en est. Donc arrêtez de vous en prendre aux joueurs, je veux bien, vous pouvez, mais vous avez raison, soit c'est leur droit, mais c'est la mauvaise cible. Je vous aime bien les bad guns, en soit vous faites du beau boulot, mais pour moi c'est la mauvaise cible. La cible, c'était Jean-Michel Aulas. Je dis pas que c'est la cible pour la cible, mais c'est quand même lui qui nous a plongé là-dedans depuis 2008. Dans ce cycle infernal depuis qu'il s'est lancé dans son stade, c'est un gouffre, et c'est un gouffre, on a plus de thunes. Il y a eu Arsenal avant qui a eu ce problème. La différence, c'est qu'Arsenal, il joue en première ligue. Alors que nous, on joue dans une Ligue 1 qui est faible et peu médiatisée à l'étranger. Il y a que Mediapro qui avait cru que ça valait 1 milliard d'euros. Comme par hasard, ça les valait pas. Voilà, bon, bah, c'est tout. Donc maintenant, c'est compliqué. On va s'accrocher à des bouts de ficelle. Mais le projet, de toute façon, il est mort dans l'œuf, le projet Textor. Il est mort dans l'œuf. Soit il a vu un angle de tir que personne n'a vu, et au bout d'un moment, à force de retourner le truc, on devine vite ce qu'ils veulent faire en blé. Et Colony avait fait la même erreur. Colony, c'est une boîte américaine qui est des infrastructures sportives, Colony Capital. Quand ils ont racheté le PSG, ils ont cru qu'ils allaient racheter la piscine Molitor, qu'ils allaient racheter le stade Jean-Bouin et qu'ils allaient devenir propriétaires du Parc des Princes. Sauf que quand ils ont vu les oppositions de la ville de Paris sur ces trois projets-là, bon bah après, ça a très vite tourné Kazakh et ils ont tout de suite essayé de fourguer le club et il se trouve qu'ils l'ont fourgué au Qatar.
Voilà, donc tant mieux. Tant mieux pour les supporters parisiens, finalement. Mais nous, le projet, il tient pas debout. Ni financièrement, il n'est pas viable. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'ai fait très, 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 très long. 25 minutes, je suis désolé. J'ai exprimé un point de vue un petit peu décousu, mais j'exprimais qu'un point de vue. C'est le mien. Mauvais timing, Jean-Michel. Mauvaise case, mauvais endroit, mauvais repreneur. Après, où ça va? Bah, on ne sait pas, mais c'est en pente glissante. Allez, bonne journée à tous. Ciao.